Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie de celui qui a peut-être été le plus grand pharaon d'Égypte, Ramsès II. Il fut le seul roi d'Égypte qui osa se proclamer Dieu vivant. Partout, d'innombrables statues, des temples grandioses et des inscriptions hiéroglyphiques chantent sa gloire. Et pourtant, par-delà la légende, l'homme demeure un mystère. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir le plus grand pharaon d'Égypte? Et comment y est-il parvenu? Pour le découvrir, je me ferai tailleur de pierre. Je déchiffrerai la propagande des pharaons et j'utiliserai les techniques les plus modernes pour savoir comment Ramsès avait amassé une fortune colossale. À la recherche de la vérité, attention! Je ne reculerai devant rien. Les puissants pharaons d'Égypte ont tous laissé leur empreinte dans l'histoire, de la pyramide de Khéops au masque d'or de Toutankhamon. La plupart de ces images de l'Égypte sont très célèbres. Et parmi tous les pharaons de l'ancienne Égypte, un nom émerge toujours, celui d'un roi qui aujourd'hui encore est qualifié de plus grand pharaon d'Égypte. Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein et je suis ici pour tout apprendre sur le pharaon qu'on appelle à juste titre Ramsès le Grand. À l'époque de Ramsès, au XIIIe siècle avant notre ère, le Caire n'existait pas encore. Mais au fur et à mesure de son inexorable extension, des quartiers modernes se bâtissent sur le site même des vestiges de la cité antique d'Héliopolis. Dans cette partie de la ville, on vient de faire une découverte qui serait liée à Ramsès II. Dans la plupart des pays, l'archéologie se fait un peu au hasard. On fait des découvertes quand on peut. Mais ici, en Égypte, c'est une banalité quotidienne. On vient tout juste de découvrir un site lié à Ramsès II. Pour y jeter un coup d'œil, je vais voir mon ami, le professeur Zahi Hawass. Salut Josh, ça va? Bonjour professeur. Content de te voir. Cette fois, tu es sur la piste de Ramsès II. C'est ça. C'était un souverain extraordinaire. Dans ma carrière d'archéologue, j'ai découvert presque partout des vestiges liés à cet homme. Mais ce qui est vraiment important dans ce temple ici, viens, je vais te montrer. Le site est une découverte capitale. Zahi m'explique qu'il s'agit d'un complexe de temples très important aux yeux de Ramsès. La découverte date de 2006, lors de la construction d'un nouveau supermarché. D'après Zahi, les dimensions du temple sont considérables. En se basant sur les premières fouilles, il a calculé que l'ensemble s'étend sous une vaste portion du voisinage, dispersée sur plusieurs blocs d'immeubles, dans toutes les directions. Devant l'un des blocs de pierre qui faisait partie de l'entrée du temple, je lui demande pourquoi Ramsès a une telle réputation. Qu'est-ce qui rend Ramsès II si intéressant? Je crois que c'est parce que sa vie est si pleine d'action. Partout, il a construit des choses uniques, des temples, des tombeaux, des statues. Zahi me raconte que Ramsès était un roi qui appelle les superlatifs. Son règne a duré 66 ans. Il a vécu jusqu'à plus de 90 ans, c'est-à-dire trois fois plus longtemps que la moyenne des gens de l'époque. Il eut plus de 200 femmes et concubines et engendra plus d'une centaine d'enfants. Il fit bâtir plus de temples et de statues que n'importe quel autre pharaon. Et c'est pour cela qu'il faut que je te dise que si tu veux parler de l'Égypte, si tu veux parler de l'Égypte antique, si tu veux parler des rois et de leurs mystères et de leur magie, alors tu parles de Ramsès II. Zahi espère découvrir sur ce site de nouveaux faits qui éclaireront la vie et le règne de Ramsès II. Mais les fouilles viennent tout juste de débuter. Et pour mener à bien ces fouilles, il va falloir démolir tous les immeubles alentours. Ces fouilles vont continuer pendant des années. Et regarde le centre commercial. Ça, il va falloir qu'on le démolisse complètement. Parce que le temple s'étale peut-être là-dessous? Oui. Le gouvernement égyptien s'est lancé dans un vaste programme de relogement des résidents actuels. Peu d'hommes peuvent se vanter d'exercer une telle influence 3300 ans après leur mort. Mais la gloire de Ramsès n'est-elle basée que sur la légende? Ou bien était-il vraiment le plus grand pharaon d'Égypte? Il faudra des années de travail avant que cet ensemble de temples ne révèle tous ses secrets. Mais le plus étonnant, finalement, c'est la somme d'informations déjà collectées en Égypte. La momie de Ramsès fut découverte vers 1880. Elle est maintenant conservée au musée égyptien du Caire
et j'ai obtenu l'autorisation de lui rendre visite après la fermeture des portes. Une audience privée avec un pharaon, c'est un privilège rare. Bienvenue dans la salle royale des momies. On trouve ici une douzaine de souverains d'Égypte, et beaucoup d'entre eux sont de la famille de Ramsès. Voici son fils, Meremta. Ici, c'est son père, Séti Ier. Et voici l'homme que je suis venu voir. Peut-être le plus grand pharaon de tous, Son Altesse Royale, Ramsès II lui-même. C'est vraiment incroyable. 3300 ans après sa mort, Ramsès II semble plus présent que jamais. En voyant ses pommettes hautes et son nez busqué, on ne peut s'empêcher d'y lire son énergie et son ambition. Heureusement, la dépouille de Ramsès II n'est pas la seule chose qui nous reste de lui. Je fais les 700 km qui séparent le Caire de la fameuse vallée des rois. Je suis venu voir le célèbre temple funéraire de Ramsès, le Ramséum. J'ai rendez-vous avec l'égyptologue Peter Brand de l'université de Memphis qui va m'expliquer pourquoi Ramsès II est aussi connu sous le nom de Ramsès le Grand. C'est ça? C'est le Ramséum, où le culte de Ramsès a débuté. Et toutes ces statues ici, Ramsès... Partout on voit son nom et son image est plaquée sur tout. Le Ramséum, à l'origine, était le temple principal de Ramsès dans la vallée des rois. Autrefois, on l'appelait le château d'un million d'années. Il pouvait recevoir plus de 20 000 personnes lors des cérémonies rituelles. Les cérémonies se tenaient en l'honneur de Ramsès, dont l'image est présente sur tous les murs. Comment se fait-il que Ramsès soit devenu le grand ? Il a bâti plus de monuments que n'importe quel autre souverain. Et il a inscrit son nom sur les monuments des autres, sur chaque temple, chaque statue, chaque obélisque qu'il a pu trouver. C'est pour ça qu'on trouve son nom partout en Égypte. Ambitieux. Ah oui, il était très ambitieux. Comme Zahi, Peter pense que Ramsès doit une grande partie de sa célébrité à sa frénésie de construction. Et pourtant, son intérêt pour l'architecture n'était en l'occurrence que secondaire. Certes, il a construit des temples et fait ériger des statues, mais il pensait surtout à bâtir sa propre légende. Il suivait de près les projets de construction et vérifiait que ses goûts étaient respectés. Comme tous les pharaons, il prenait un grand intérêt à ses projets de construction. Il les contrôlait de bout en bout. Il jouait un rôle actif dans la conception ? Oh, absolument. Et ses efforts pour ne pas être oubliés furent couronnés de succès. Les anciens Grecs connaissaient l'existence de Ramsès. C'est comme ça que les égyptologues ont su qu'il avait existé avant même de pouvoir déchiffrer son nom. Peter m'explique que c'est la multiplicité des images de Ramsès qui l'a rendu synonyme d'Égypte antique aux yeux des premiers explorateurs. En s'enfonçant dans le Ramséum, on découvre une statue colossale qui met les points sur les i. C'est quoi ça? C'est l'Ozymandias. C'est Ozymandias ou c'est Ramsès? Ozymandias est la version grecque de Ouzermaatré, qui est le nom sous lequel fut couronné Ramsès II. Cette statue colossale de Ramsès pèse plus de 100 tonnes et elle est taillée dans un seul bloc de granit. Elle est écroulée, mais debout, elle dépasserait le sixième étage d'un immeuble moderne. Alors elle servait de modèle pour la version de 10 mètres ? Ça, c'est la version économique. Ça, c'était pas assez. Non, Ramsès aimait que ses statues soient grandes et qu'il y en ait beaucoup. Peter souligne que les projets monumentaux de Ramsès ont une constante. Ils ont pour sujet Ramsès. Il est allé très loin pour être certain de ne jamais tomber dans l'oubli. Dans un instant, attention! Je vais m'initier aux obsessions de Ramsès et je vais tenter de comprendre comment il est devenu l'un des pharaons les plus riches de toute l'histoire d'Égypte. Je suis venu en Égypte afin d'en apprendre un peu plus sur Ramsès II et vérifier si l'homme était bien à la hauteur de sa légende. J'ai vu sa dépouille mortelle au musée égyptien du Caire. Et j'ai visité le temple qui lui est consacré dans la célèbre vallée des rois. Je me dirige maintenant au sud, vers la ville d'Assouan et les carrières de granit du pharaon, pour apprendre comment il a laissé sa trace dans la pierre. Danny Roy, un spécialiste de la taille de pierre, m'attend dans une carrière d'Assouan pour me montrer comment les artisans de Ramsès lui érigeaient des statues à partir de blocs de granit. Le granit d'Assouan a toujours été renommé pour sa dureté et ses couleurs. La plupart des statues colossales et des obélisques égyptiens est sorti de ces carrières. Alors même Ramsès a utilisé le granit d'ici ? Oui, il en a pris. Et beaucoup. Danny m'emmène voir l'une des sculptures les plus impressionnantes d'Égypte.
encore que celle-ci n'ait jamais été finie. Cet obélisque aurait été encore plus haut qu'Ozymandias. Il mesure plus de 40 mètres de long et pèse environ 1300 tonnes. Sa taille a été abandonnée quand les artisans ont découvert, presque au dernier moment, la présence d'une faille dans la pierre. Ce n'est pas Ramsès qui avait commandé cet obélisque, mais ses artisans auraient procédé de la même manière. Quel dommage, ils avaient fait tout ce travail? Oui, et quand on imagine le travail que ça représente... Mais ça ne me suffit pas d'imaginer. J'ai envie de me rendre compte par moi-même. Allons casser des cailloux. Danny me conduit à une carrière moderne, pas très éloignée de l'obélisque abandonné. Il a préparé un test comparatif pour que je me rende bien compte de la quantité de travail dont nous parlons. D'abord, les outils modernes. Je vais vous montrer la méthode moderne. Danny a étalé les outils modernes utilisés pour tailler et polir la pierre des dessus de cheminée ou des comptoirs de cuisine. Apprenez-moi, maître. Nous débutons avec une boucharde à pointe. C'est un outil à polir qui donne des surfaces lisses, comme celles de l'Ozymandias et des obélisques. Ça change vraiment la surface? Oh oui, ça aplatit tout. Je peux essayer? Bien sûr, allez-y. Merci. Attention! Attention à la boucharde! Ça égalise vraiment très vite la surface. Certainement, ça rend la sculpture du granit bien plus facile, n'est-ce pas? Oui. Bien évidemment, Ramsès ne disposait pas de compresseurs et de carbure de tungstène. Mais ils avaient des boules de dolérite. En fait, ça fait le même travail, sauf que ça prend un peu plus de temps. C'est la seule différence. Plus de travail? Voyons ce que Danny a en tête. Nous allons dans une autre partie de la carrière sur une veine de granit toute neuve. Voilà, c'est ça, des boules de dolérite, un type de basalte plus dur que le granit. On en a retrouvé ici sur le site, ce qui veut dire qu'elles ont peut-être été utilisées par les artisans de Ramsès. Dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient ces boules pour polir le granit, comme nous le faisons avec la boucharde à pointe. Vous pouvez me montrer? Mais bien sûr, on va essayer ici même. Là en dessous? Oui. Nous suivons une faille naturelle dans la roche. Dans l'Antiquité, c'est ainsi que les ouvriers des carrières débutaient, le long d'une faille, afin de dégager de la veine rocheuse une statue colossale ou un obélisque. Après 20 minutes d'un dur labeur, les boules de dolérite ne nous ont permis de faire voler que quelques éclats de granit. Ramsès a élevé des milliers de monuments en granit, la plupart pesant des centaines de tonnes. Alors comment a-t-on pu ériger des statues comme l'Ozymandias avec de pareilles techniques? Et combien de temps a-t-il fallu? Alors voilà, je fais des... dégâts importants. Ça, c'est vrai. Mais s'il fallait que je fasse un obélisque ou un pilier ou un sphinx ou n'importe quoi de grand et costaud, le pharaon ne serait pas content de moi. Danny m'explique que le travail allait beaucoup plus vite que je le crois. Le pharaon de la 18e dynastie, la reine Hatshepsut, se vantait d'avoir fait ériger un obélisque en 7 mois seulement. La solution, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Les carrières employaient des centaines d'ouvriers qui travaillaient tous le long de la même faille. Mais comme sous le soleil ardent de la Haute-Égypte, le travail était très pénible, les équipes étaient renouvelées fréquemment. En clair, des milliers de gens travaillaient à tour de rôle dans les carrières. En quoi le travail demandé par Ramsès II diffère-t-il de celui des autres pharaons ? Ce qui est impressionnant avec Ramsès II, c'est la quantité incroyable de monuments qu'il a laissés. Parce que vu l'organisation du travail et ce qu'il a accompli, c'est ça qui est vraiment remarquable. Bien d'autres pharaons ont laissé des monuments remarquables, mais la quantité produite sous Ramsès II est prodigieuse. Et pour laisser la trace qu'il a laissée en Égypte, il ne lui a pas seulement fallu une main-d'œuvre abondante, il lui fallait aussi une fortune colossale. La qualité comme la quantité des monuments produits sous Ramsès II montrent qu'il disposait d'une richesse énorme. Mais d'où venait ce pouvoir et cette fortune? Que ce soit à l'époque des pharaons ou à l'époque moderne, l'économie égyptienne a toujours dépendu d'un seul facteur. Le Nil.
je décide d'aller jeter un coup d'œil au fleuve qui coule en contrebas des carrières. Ces pêcheurs ont eu la gentillesse de me prêter leur barque. Une promenade sur l'eau sera la bienvenue après mon expérience de tailleur de pierre. Mais je ne rame pas que pour le plaisir. Je me dirige vers une île au milieu du fleuve. Elle s'appelle l'île Éléphantine. Son nom vient des formations rocheuses qui bordent la rive et qui évoquent un troupeau d'éléphants. L'île était consacrée au dieu des inondations et elle comporte même une entrée de service. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Pour en apprendre un peu plus sur la richesse de Ramsès, je rencontre Gary Robbins de l'Agence américaine pour le développement international. Il va m'expliquer comment Ramsès a pu disposer des ressources nécessaires à son programme de construction. Le tunnel où nous nous trouvons était un outil simple mais efficace, appelé à juste titre un nilomètre. Il mesurait le niveau atteint par les crues au moment où les eaux du fleuve passaient la frontière sud de l'Égypte, ici à Assouan. La prospérité de l'Égypte dépendait entièrement des crues régulières du Nil. Tous les ans, les riches sédiments charriés par le fleuve depuis les hauts plateaux d'Éthiopie fertilisaient les champs égyptiens à chaque débordement du fleuve. Ils utilisaient donc ces encoches pour mesurer les niveaux de l'eau à différentes périodes de l'année? Oui, ils prenaient la mesure quand la crue arrivait et pouvaient ensuite prédire l'importance de l'inondation. Le niveau du fleuve montait parfois de plus de 10 mètres, laissant derrière lui des tonnes de sédiments fertiles quand le niveau baissait. Le nilomètre permettait aux Égyptiens de prévoir avec une grande précision la quantité de céréales dont ils disposeraient d'une année sur l'autre, car la différence entre une bonne année et une mauvaise était énorme. Il suffit d'une augmentation même minime de l'inondation et tout le long du Nil, des milliers d'hectares supplémentaires deviennent cultivables. Ramsès a régné pendant une période faste et il a pu compter sur des récoltes abondantes tout au long de son règne. D'après Gary, Ramsès bénéficia d'une longue période de fortes inondations. Et avec le nilomètre qui mesurait le niveau des crues, Ramsès disposait d'un instrument fiscal extrêmement précis. Une fois qu'ils avaient prévu le niveau d'eau, ils fixaient le niveau d'imposition. Si c'était une très bonne année pour les récoltes, ils taxaient jusqu'à 20%. Et si c'était une année à sécheresse ou à trop forte crue, ils réduisaient le taux jusqu'à 10 ou 15%. Des bonnes crues, des bonnes récoltes, égale des bonnes récoltes d'impôts. C'était un système très progressif. Avec ses impôts indexés sur les crues, et des crues excellentes, Ramsès voyait rentrer l'argent à flot. Gary ajoute que le système de Ramsès fonctionnait grâce à autre chose que des impôts astucieusement calculés. Ramsès bénéficia d'une innovation technologique qui révolutionna l'agriculture égyptienne. Dans un instant, je vais faire fonctionner un vieux système d'irrigation et chasser des scarabées pour vous montrer d'où venait la richesse de Ramsès. Je marche dans les pas d'un homme que beaucoup considèrent comme le plus grand pharaon d'Égypte. Ramsès II. Pour saisir l'étendue de sa gloire, j'ai visité un nouveau chantier de fouilles. Un temple à sa gloire, au cœur du Caire. J'ai vu les monuments grandioses de la vallée des rois. J'ai observé le nilomètre à Assouan et j'ai appris comment les crues régulières du Nil alimentaient l'économie égyptienne. Je suis maintenant dans la vallée du Nil pour comprendre comment Ramsès a transformé toute cette eau en or. Gary Robbins, de l'Agence américaine pour le développement international, m'a conduit jusqu'à ses champs à la sortie d'Assouan. Pour Gary, la vie aux champs dans la Haute Égypte a très peu évolué depuis l'Antiquité. Les paysans vivent toujours de leurs terres. Des technologies introduites il y a des milliers d'années sont encore en usage aujourd'hui, comme cette roue entraînée par des bœufs. Tout en marchant, Gary me rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des crues du Nil dans la civilisation égyptienne. Ces crues régulières qui fertilisaient les champs ont permis à l'Égypte ancienne de développer une agriculture florissante qui en retour nourrissait le peuple et permettait les rêves grandioses de ses pharaons. Et alors, on ouvrait les vannes, l'eau s'écoulait à nouveau. Pendant la saison des crues, à la fin de l'été, les champs disparaissaient sous quelques mètres d'eau. Les Égyptiens encerclaient leurs champs de levée de terre, créant ainsi des bassins qui retenaient l'eau saturée de sédiments.
Une fois l'eau retirée, ils pouvaient ensemencer les champs recouverts d'un sol fertile. Ils inondaient leurs champs avec l'eau et les sédiments saturaient le sol. Et ensuite, ils ouvraient les vannes, l'eau se retirait et ils pouvaient ensemencer les champs. Et quand le champ était inondé, que faisaient les paysans? C'est la période où ils allaient travailler pour le pharaon. Ça faisait partie de leurs impôts. C'est la période où on construisait les monuments. Oui, c'est ça. La façon dont l'agriculture était organisée convenait admirablement aux besoins de Ramsès. Comme les paysans ne pouvaient travailler aux champs, ils devenaient disponibles pour les grands travaux du pharaon, ce qui leur permettait en même temps de remplir une part de leur devoir fiscal. Quand ils revenaient, l'eau avait reflué et ils semaient leurs récoltes. Comment arrosaient-ils les champs une fois la crue terminée, quand l'eau était redescendue? Pendant le Nouvel Empire, une nouvelle technologie est apparue, le chadouf. C'est un système qui permet d'élever l'eau du fleuve à la hauteur des champs. C'est apparu à l'époque de Ramsès? Pendant le Nouvel Empire, à l'époque de Ramsès. Comment fonctionnait cette machine qui permettait d'élever l'eau? Je vais vous emmener en voir une, et vous pourrez même essayer de la faire marcher. Allons-y. D'accord. Une innovation, même très simple, peut déclencher des changements considérables. L'invention du chadouf a permis aux Égyptiens d'irriguer plus facilement leurs champs. Et Ramsès tira un profit immense de cette révolution dans l'agriculture. En gros, c'est un contrepoids qui aide à remonter l'eau. C'est ça. Il y a un seau empli de terre à cette extrémité qui sert de contrepoids. Le seau est à peu près de la même taille que le seau à l'autre bout qui transporte l'eau et la verse dans la rigole. Une fois l'eau dans la rigole, elle s'écoule par gravité là où elle doit aller. Exact. Il y a tout un réseau de canaux. Ils peuvent envoyer... Voyez l'eau là où ils veulent. Aujourd'hui, on trouve encore des chadoufs là où il n'y a pas de pompe à eau électrique. L'usage des chadoufs était encore généralisé au XXe siècle et il permettait aux paysans d'irriguer leurs champs en dehors des périodes de crue. Je décide d'essayer. Le résultat de cette innovation? Des récoltes plus abondantes produites avec moins de travail, d'où des surplus de richesses et de main-d'œuvre disponibles pour les projets de Ramsès II. C'est assez facile. Et vu la facilité d'utilisation du système, les paysans de Ramsès devinrent autonomes. Je comprends ce que ça a apporté aux paysans, mais en quoi ça profitait au pharaon? Parce que l'irrigation était prise en charge sur place par une administration locale. Le pharaon n'avait pas à investir ni en argent ni en personnel pour entretenir le système. Il pouvait se concentrer sur autre chose. Oui, c'est ce qu'il faisait. Il redistribuait les terres qui appartenaient au temple aux paysans du cru qui se retrouvaient encore plus endettés envers lui. Ah, c'était un malin ce Ramsès. Je crois que je maîtrise le chadouf. Vous avez fait du bon travail. Merci. Je peux vous aider? Je vais remonter, oui, merci. En résumé, sous le règne de Ramsès II, l'économie égyptienne était florissante. Grâce à des crues abondantes et des innovations technologiques récentes, il allait régner pendant une période de grande prospérité. Des impôts plus élevés et une population plus à l'aise qui dépendait moins du gouvernement central allaient donner à Ramsès les ressources dont il avait besoin pour mener à bien ses projets. Mais comment pouvons-nous être certains que Ramsès a vécu à une période de crue abondante? En dehors des anciennes chroniques, existe-t-il un moyen de vérifier aujourd'hui qu'il a bénéficié de conditions favorables, année après année? Je connais l'homme qui a les réponses à ces questions. Le professeur Miroslav Barta de l'Institut archéologique tchèque connaît un moyen infaillible pour vérifier les conditions environnementales de l'Égypte antique. Nous sommes revenus près du Caire, sur les fouilles qu'il mène à Abouzir, tout près des pyramides de Saqqara. Nous sommes à la limite de la plaine alluvionnaire du Nil, là où les champs fertiles cèdent la place au sable du désert. Qu'est-ce qu'il y a là? Un mur. C'est un simple mur, mais dans ce cas précis, ce n'est pas qu'un simple mur. Miroslav affirme que ce mur de briques a plus de 4500 ans. En observant la paille encore emprisonnée dans la boue séchée, il peut déterminer les conditions environnementales à l'époque de la fabrication des briques. En gros, ces briques de boue séchée sont des témoins de leur temps. Exactement. Mais Miroslav a mis au point une méthode plus dynamique pour déterminer les conditions climatiques de l'époque. Et c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Nous nous dirigeons vers le lit asséché du lac Abouzir, en lisière de la vallée du Nil. Dans l'Antiquité, cette dépression se remplissait au moment des crues saisonnières du Nil pour se vider à nouveau quand l'eau se retirait. Dans le domaine scientifique, c'est souvent un détail minuscule qui révèle tout un pan d'histoire.
Maintenant, nous sommes arrivés à la partie la plus intéressante de l'histoire. Nous allons chasser. Quoi ? Des grenouilles ? Non, des scarabées. Des scarabées ? Des scarabées. Comment est-ce qu'on chasse le scarabée ? Il faut chercher des petits trous de 2 ou 3 cm dans le sol. Très bien, allons chasser le scarabée. En étudiant un animal aussi modeste que le bousier, Miroslav a pu reconstituer les conditions climatiques en Égypte au temps des pharaons. Faites tout doucement. Rien. J'en ai un ici. Oui ? Oui. Vous voyez ? C'est un trou typique. Il y a quelque chose qui bouge. C'est ça qu'on cherche ? Exactement, c'est un de ceux-là. C'est quel genre de scarabée ? C'est un bousier. C'est l'une des variétés de l'espèce. En observant différentes espèces qu'on a découvertes ici ces dernières années, on peut déterminer les différences de l'environnement qui existait ici. C'est la même chose que les archéologues qui étudient la paille dans la boue des briques pour déterminer l'environnement d'alors. Vous faites ça avec les scarabées. Oui, mais pour vous montrer ça en détail, il faut qu'on aille dans mon laboratoire. Je remets ce gars-là dans le sable. Et on part au labo. Salut, bonhomme. Miroslav m'amène à son laboratoire où il conserve des scarabées qu'il a découverts dans les tombeaux d'Abouzir. Comme les tombeaux étaient scellés quand il les a découverts, on sait qu'à l'intérieur, les conditions sont restées les mêmes pendant des milliers d'années. Des fragments de scarabées en provenance de chaque tombe ont été placés sous des plaques de verre. Chaque échantillon examiné au microscope révèle des informations inestimables sur les conditions environnementales de son époque. Qu'est-ce que je vois là ? Une aile. Une aile. Un fragment d'aile. Pour moi, ça a l'air d'être une aile, c'est ça ? C'est juste une aile. Oui, oui, une aile. Je ne pourrais rien vous en dire de plus. Mais un spécialiste pourrait dire, ce n'est pas une aile, c'est un fragment de tel et tel scarabée. Et alors vous, vous pouvez dire, si cette espèce était là à tel moment, alors on sait que telle condition environnementale devait exister à ce moment-là. C'est la conclusion. C'est impressionnant. Par exemple, ce scarabée. Certains scarabées apparaissent dans des conditions humides, tandis que d'autres apparaissent dans des environnements secs et salés. Par exemple, le scarabée que nous avons trouvé dans le sol asséché du lac d'Abouzir n'aurait pas été là en période de crue. Pour revenir à ma question sur Ramsès II, les recherches de Miroslav montrent que les apparitions de différentes sortes de scarabées coïncident exactement avec les témoignages sur les crues conservées par les anciens Égyptiens. Les sciences exactes confirment l'histoire des pharaons. Ce travail corrobore aussi l'observation de Gary, selon laquelle les crues abondantes avaient fait de Ramsès un roi richissime. Cette richesse lui a fourni la main-d'œuvre considérable qui lui permit de ne pas tomber dans l'oubli et de construire sa propre légende. Maintenant que j'ai une assez bonne compréhension du comment, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé Ramsès II à vouloir être le plus grand pharaon de tous les temps ? Waouh, c'est audacieux, non ? Pour vérifier si Ramsès II était bien le plus grand pharaon d'Égypte, j'ai visité des fouilles au Caire, des carrières de granit à Assouan et les champs fertiles de la vallée du Nil. J'ai appris comment il a bâti des centaines de monuments à travers tout le pays et grâce à quelques scarabées et un chadouf, comment il a profité des crues du Nil pour amasser une immense fortune. C'est assez facile. Mais qu'est-ce qui nourrissait l'ambition sans limite de Ramsès II ? Je me rends sur le site d'Abydos, à 500 km au sud du Caire, en Moyenne Égypte. Dans l'Antiquité, c'était l'un des sites les plus sacrés du pays. C'est ici que le père de Ramsès, Séti Ier, a érigé un temple qui fournit bien des indices sur les raisons qui poussèrent Ramsès à laisser un tel héritage. Je retrouve Peter Brand de l'université de Memphis qui va me servir de guide. La dynastie de Ramsès II a une histoire qui aurait pu être écrite par William Shakespeare. Il faut bien comprendre que la 19e dynastie n'était pas de sang royal. C'était une famille de militaires qui a accédé au trône avec le père de Séti Ier. Peter insiste sur le fait que Ramsès et son père étaient des roturiers. Leur jeune dynastie est parvenue au trône par la voie militaire et non pas par le palais ou le temple. Et en tant que chef d'une famille régnante qui n'avait pas le statut royal par le sang, Séti avait beaucoup à prouver. Pour établir sa légitimité,
Séti se lança dans un vaste programme de construction de temples que Ramsès poussera ensuite à son paroxysme. Donc Séti se représente parmi les dieux afin de valoriser sa propre image. L'objectif ici, c'est de montrer que Séti est le roi légitime de l'Égypte, qu'il vénère les dieux. Il leur construit des monuments et en retour, il le confirme comme le véritable roi d'Égypte. Séti prépara soigneusement Ramsès à sa future fonction. Il l'emmena avec lui dans ses expéditions militaires. Il lui enseigna la tactique et la stratégie. Il en fit un général responsable de ses propres divisions alors qu'il était encore adolescent. Sur les murs de ce couloir, on trouve des bas-reliefs qui montrent Séti rendant un hommage rituel aux anciens rois en remontant jusqu'au mythique fondateur de la civilisation égyptienne. Ce qui distingue cette représentation, c'est que Séti a pris la précaution d'inclure Ramsès sur le bas-relief, accordant ainsi à son fils un statut qu'on n'avait jamais donné auparavant à un prince de la couronne. On voit ici ses titres. Il est l'héritier présumé, le fils aîné du roi, son cher Ramsès. Ce n'est pas un prince, c'est le prince. Une fois de plus, on voit ici comment Séti utilise ses murs pour faire passer un message politique très clair. Oui, le message politique, bien entendu, c'est que Séti fait partie de cette lignée de rois. Son fils n'est pas encore roi, mais il le sera. Il est le prince héritier. Et mieux vaut vous y préparer parce que c'est lui qui arrive ensuite. Ramsès reçut le message 5 sur 5. Quand il devint pharaon à la mort de Séti, il ajouta sa contribution aux ambitions de son père, mais en s'assurant que toute la lumière retomberait sur lui. Sur le mur extérieur du temple, Peter me montre une énorme inscription. C'est ici même que Ramsès a lancé son extraordinaire culte de la personnalité. Ce qu'on a vu à l'intérieur, c'est ce que racontait Séti, mais à l'extérieur, c'est Ramsès qui nous dit ce qui s'est passé. Oui, c'est l'étape suivante. Ramsès avait un goût prononcé pour l'autopromotion, et il a débuté jeune. Ramsès va jusqu'à prétendre que son père l'a fait roi, et a posé la couronne lui-même sur sa tête de son vivant. C'était habituel que le pharaon abdique et couronne le prince de son propre vivant? Je crois qu'il est vraisemblable que Ramsès ait un peu exagéré, qu'il a dû rester prince de la couronne. Une fois de plus, on voit une réécriture de l'histoire à des fins politiques. Oui, Ramsès veut imprimer sa marque aux événements. Personne ne maîtrise la propagande aussi bien que Ramsès. Soudain, les monuments et les statues colossales de Ramsès commencent à prendre tout leur sens. Ramsès était de toute évidence obsédé par le contrôle de son image, apparemment dans le but de faire oublier ses humbles origines. Mais d'après Peter, ce temple n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. J'aimerais vous montrer quelque chose d'autre. Oui, allons-y. Peter m'emmène voir le célèbre temple de Karnak. Je suis déjà venu ici. Des générations de pharaons ont laissé leur empreinte dans ce vaste complexe rituel. Il faut que je le dise, j'adore cette salle. C'est mon endroit préféré en Égypte, la grande salle hypostyle du temple de Karnak. Incroyable. Les travaux furent commencés par Séti, mais c'est Ramsès qui les termina. Et il fit tout pour que tout le monde le sache. Peter me montre un des énormes piliers et m'explique le concept d'usurpation. Il était courant que les pharaons s'attribuent le travail de leurs prédécesseurs en remplaçant leurs cartouches par les leurs, mais Ramsès alla encore plus loin. Il approuva un nouveau style de sculpture, destiné à mieux chanter ses louanges et à s'assurer qu'il ne serait jamais oublié. En fait, si vous regardez là-haut, vous voyez le nom de Ramsès II gravé très profondément. Cette inscription serait très difficile à effacer. Et ce n'est pas un hasard, parce que si vous regardez là, les plus petits cartouches étaient ceux de Séti Ier. Ce qu'a fait Ramsès, c'est qu'il a fait enlever le nom de Séti et dans cet espace vide, il a fait graver son nom en creux. Comme c'est plus profond, c'est plus difficile d'effacer son propre nom. Ramsès s'est fait graver un cartouche si grand et si profond que si on voulait l'enlever, on endommagerait irrémédiablement le pilier lui-même. C'est ainsi qu'il a assuré sa présence permanente dans ce lieu. Peter m'emmène à l'extérieur pour me montrer la simplicité de la procédure. Il a préparé un bloc de calcaire qui porte le cartouche de Ramsès. Je vais essayer à mon tour de réécrire l'histoire à la manière du pharaon. Il faut raboter le relief, mais il ne faut pas endommager le socle. C'est très facile. Oui, le grès et le calcaire sont toutes les deux des roches assez tendres. Donc, ce n'est pas très difficile d'y arriver. Si vous travaillez bien, personne ne saura que Ramsès était là. Ce qui rend votre travail facile, et c'était pareil pour Ramsès, c'est que vous avez affaire à un bas-relief en saillie, qui est plus facile à effacer qu'un bas-relief en creux. On peut facilement raboter l'inscription, et il reste une belle surface lisse.
Avant Ramsès II, la tradition voulait que l'intérieur des temples soit décoré de bas-reliefs en saillie. C'était le matériau autour de l'inscription qu'on enlevait, afin de laisser les reliefs apparents en saillie, comme ce que j'ai vu à Abydos. Les artisans de Ramsès, en revanche, ont opté pour les bas-reliefs en creux, gravés directement dans la pierre. C'est un style plus facile à exécuter et qui demande moins de temps, ce qui a permis à Ramsès de lancer une vaste campagne d'usurpation dans toute l'Égypte. Vous voyez le peu de temps que ça prend? Selon Peter, Ramsès II s'est faussement attribué des centaines, si ce n'est des milliers de cartouches, dans le but d'être retenu par l'histoire comme le plus grand pharaon d'Égypte. On pense que la moitié des temples découverts en Égypte porteraient son nom, dans la plupart des cas par simple appropriation. Désolé Ramsès. Maintenant que j'ai découvert comment fonctionne la méthode, Peter m'entraîne à l'extérieur de la salle hypostyle pour me montrer comment Ramsès a réécrit sa propre histoire. Sous le règne de Ramsès, ce mur extérieur portait un immense panorama qui dépeignait ses prouesses militaires. La plupart des bas-reliefs sont effacés, et beaucoup le furent sur les ordres de Ramsès lui-même. C'était une question de maîtrise de son image, de propagande, de campagne publicitaire, si vous préférez. Année après année, Ramsès fit refaire les bas-reliefs de ce mur, et en manipulant ainsi son image, il remettait constamment à jour l'histoire officielle de son règne. Quand je vois cette réécriture permanente, je me demande ce que Ramsès avait en tête pendant qu'il fabriquait sa propre légende. Il a vécu trois fois plus longtemps que ses contemporains. Et il a régné pendant quoi, 66, 67 ans? C'est exact. Donc à un moment donné, il se dit, je suis le seul qui sait comment les choses se sont passées, n'est-ce pas? Et s'il veut réécrire l'histoire d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus personne qui peut dire le contraire. C'est exact. Et comme ces monuments ont duré plus longtemps que lui, sa version des événements a façonné notre vision, et même celle des historiens modernes. Il me semble aussi, vu ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, qu'il avait reçu une éducation qui ne le prédisposait pas à se remettre en question. Absolument. Il a été éduqué par un homme qui avait créé sa propre dynastie. Je dis fréquemment que Ramsès était un gamin du palais. Il n'était pas né au palais, mais il y a été élevé. Et on lui avait fait croire, comme à tous les rois d'Égypte, qu'il avait été choisi par les dieux pour devenir le souverain le plus puissant du monde. Dans ce cas-là, c'est difficile de croire qu'on n'a pas quelque chose de spécial. L'énergie colossale déployée par Ramsès II pour assurer sa gloire a quelque chose d'obsessionnel. Peter pense que cela va encore plus loin. Pour voir jusqu'où l'a poussé cette obsession, Peter me conseille de faire le voyage jusqu'à la frontière sud de l'Égypte, là où Ramsès a cessé d'être un pharaon pour devenir un dieu. Dans un instant, je vais visiter le chef-d'œuvre de Ramsès. Je vais constater jusqu'où il a été pour devenir le plus grand pharaon d'Égypte. J'ai enquêté pour comprendre pourquoi Ramsès II est considéré comme le plus grand pharaon d'Égypte. J'ai appris qu'il a régné pendant 66 ans et qu'il était déjà célèbre dans l'Antiquité pour avoir bâti des monuments colossaux qui, aujourd'hui encore, provoquent notre admiration. Sur les rives du Nil, j'ai étudié la façon dont il a bénéficié de nouvelles technologies qui augmentèrent les ressources agricoles basées sur les crues du fleuve. À Abydos, j'ai appris comment sa position au palais et l'éducation qu'il y reçut poussèrent Ramsès à surpasser les réalisations de tous les autres pharaons avant lui. J'ai vu la force de sa volonté se manifester dans le célèbre temple de Karnak. Je me dirige maintenant vers le sud du pays, une région désolée, à moins de 50 km de la frontière du Soudan. Je vais découvrir le chef-d'œuvre de Ramsès II et comprendre ce qui a fait de lui le plus grand pharaon d'Égypte. De nos jours, on ne s'intéresse pas beaucoup à cette région. Mais à l'époque de Ramsès, cette province était une des clés de sa réussite. Et c'est ici qu'il a laissé son ultime déclaration politique, en construisant ce que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre. C'est le temple d'Abou Simbel. Ici, les ambitions de Ramsès se montrent sans détour. C'est la manifestation de son ego taillé dans le roc. Pour me servir de guide, le professeur Melinda Hartwig de l'Université américaine du Caire et de l'Université de l'État de Géorgie. C'est ça? C'est ça. C'est Abou Simbel. Et ce que nous regardons, ce sont quatre statues colossales de Ramsès II. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ce temple magnifique a été taillé à même la roche et s'enfonce profondément au cœur de la falaise. Quatre statues colossales de Ramsès II encadrent l'entrée. Chacune fait plus de 20 mètres de haut.
c'est une vision inoubliable. On ne peut pas imaginer un visiteur découvrant Abu Simbel qui ne serait pas immédiatement convaincu que son bâtisseur est le plus grand souverain que le monde ait connu. C'est un site important pour l'étude de Ramsès. C'est un site idéal pour l'étude de Ramsès car il résume tous les aspects du personnage. On a Ramsès, le bâtisseur de monuments, on a Ramsès, le chef de dynastie, et à l'intérieur, on verra la bataille de Kadesh qui le montre comme un valeureux guerrier. Allons voir ça? Allons-y. L'intérieur du temple est tout aussi grandiose. Melinda m'explique qu'Abu Simbel représente l'expression parfaite des ambitions de Ramsès. Les dimensions extravagantes du temple, la légitimisation de sa dynastie, la propagande politique, tout y est. Il y a aussi d'autres scènes représentées sur les murs de la première chambre, parfaitement emblématiques de la personnalité de Ramsès. Melinda m'emmène les voir. Ici, on trouve des représentations de la puissance militaire de Ramsès. Là-haut, on voit l'image de Ramsès. Ces panneaux représentent des scènes semblables à celles que j'ai vues à Karnak. Les bas-reliefs décrivent les batailles sanglantes et les ennemis humiliés écrasés à ses pieds. Ramsès est dépeint comme un puissant guerrier qui veille à la sécurité de l'Égypte. Juste en dessous des images de ses exploits militaires, Ramsès a fait représenter le même motif que son père Séti Ier à Abydos. Il nous montre plusieurs de ses fils, parés de tous leurs titres honorifiques. Comme son père avant lui, Ramsès présente ses descendants comme ses héritiers légitimes aux yeux du peuple et des prêtres. Il les positionne comme les seuls à même de poursuivre son œuvre. Quand on rentre, on voit Ramsès le pharaon et ici Ramsès le guerrier. Absolument. Jusqu'ici, pas grand-chose de neuf. Melinda m'a montré la même propagande qu'ailleurs. Mais ce qu'elle m'emmène voir ensuite va me révéler un tout autre visage de Ramsès. Un visage divin. Nous arrivons au bout du temple. Nous pénétrons dans une alcôve au fond du temple. Quatre statues des principaux dieux égyptiens y sont alignées, dans l'attente de leurs adorateurs. En partant de la gauche, on trouve Thoth, il y a ensuite Amon. Et ici, tout à fait à droite, Rahorakhti. Mais si vous faites attention, vous remarquerez que le personnage inséré entre Amon et Rahorakhti, c'est Ramsès II. Wow. Ramsès s'est placé en personne dans le panthéon des dieux de son propre vivant. Le fait de se faire représenter dans ce temple, ça faisait partie du plan qu'il mettait en place pour que sa personnalité soit divinisée. Melinda ajoute que cette décision a été le dernier acte politique de Ramsès. La religion égyptienne a martelé pendant des milliers d'années que les pharaons devenaient des dieux après leur mort. Mais ici, à Abu Simbel, Ramsès II proclamait qu'il était devenu un dieu de son propre vivant. Il se déclarait lui-même un dieu vivant. Peut-être qu'à un moment de sa vie ou de son règne, il a décidé « Je suis né humain, mais maintenant je suis un dieu ». On peut se demander s'il croyait à son propre mythe. Les gens étaient prêts à ça pour Ramsès parce que son règne a été bénéfique. Il a régné pendant si longtemps, le Nil débordait tous les ans et ils avaient à manger et tout le monde était content. À un moment donné, les gens se sont dit « C'est un dieu, il est si bon pour nous. Comment pourrait-il ne pas en être un ?» C'était vraiment le plus grand. Zahi Hawass me dit que Ramsès II est le mystère et la gloire de l'Égypte ancienne. Maintenant, je vois ce qu'il veut dire. Ramsès reçut une éducation qui le destinait à être un grand pharaon. Et il le fut, grâce à sa longévité, son flair politique, un soupçon de chance et un ego de forte dimension. Il réussit si bien qu'il se proclama Dieu vivant. Jugé à l'aune de son époque et vu l'admiration qu'il suscite encore, on serait tenté de dire qu'il est effectivement devenu un dieu. Au minimum, il a gagné le titre de plus grand pharaon d'Égypte.